Ça va, on a hâte de retrouver le terrain demain, pouvoir nous rattraper du résultat qui était notre défaite contre Clermont. Après, on sait que ce sont de très gros matchs à jouer et qui sont pas si évidents que ça. Donc voilà, on est prêt et puis on va tout donner. On est un peu frustré, dommage d'avoir fait cette première mi-temps. Après, on a eu du mal à se mettre dedans et après, ce qui reste malgré tout positif, c'est qu'on a su très très bien réagir en deuxième période. 2-0, et c'est vrai que revenir à 2-1 et revenir en deuxième période avec cette détermination et ce qu'on a mis en deuxième mi-temps, ça montre qu'on a une bonne force de caractère et qu'on sait réagir. Et que voilà, si on commence nos matchs, on démarre nos matchs de la même manière, on peut faire mal à pas mal d'équipes. Ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes et de faire des choses que peu de coachs acceptent de faire, de prendre autant de risques et de donner autant de responsabilités aux joueurs. Donc c'est ce qui nous excite aussi, ce qui nous permet de nous transcender à chaque match, même comme vous le dites, c'est que si il y a un ou deux oublis ou voilà l'équipe ou l'équipe adverse joue tout simplement bien les coups, parfois ça peut montrer ou ça peut nous mettre en difficulté, mais malgré tout, offensivement, ça nous permet aussi d'avoir de sacrés atouts et c'est à nous d'en tirer encore mieux, d'en tirer davantage encore plus. C'est des matchs que tout joueur de foot rêve de jouer et aime jouer. J'espère que ce sera une belle. Voilà, un beau match à voir et puis espère renouer avec la victoire le plus vite possible. Et là, ce qui est l'avantage, c'est qu'il y a les matchs qui s'enchaînent. On sait que ça ne va pas être facile. Les deux équipes savent que ça ne va pas être facile, mais nous, en tout cas, on a hâte de jouer ce match et de voilà, comme j'ai dit, de vraiment faire plaisir à nos supporters et puis également à nous-mêmes aussi de pouvoir nous rattraper du résultat qui a été frustrant mardi. Peu importe le classement, c'est le but, ce sera vraiment à la fin de la saison, mais comme on sait, c'est plus on grattera de points aujourd'hui, mais ce sera pour nous. Sans forcément de mettre de pression, soit aux plus jeunes ou aux certains joueurs, de pas mettre de pression pour pas qu'on se prenne trop la tête et qu'on se focalise trop sur le classement, les points, et au final, on sait que ça va très très vite, hein, on l'a vu à la match aller. On n'était pas forcément. Au départ, on n'était pas très très bien positionnés, mais on a su mettre un coup d'accélérateur quand il le fallait. Donc par rapport à ça, non, je pense qu'on a les joueurs d'expérience pour ne pas faire attention au point, au classement et plutôt donner à chaque match.